Tout est parfaitement réussi. Merci beaucoup. On peut dire que c'est un coq que tu as saoulé de vin. C'est ce qu'on appelle une marinade. Où as-tu trouvé la recette? Dans un très vieux livre de cuisine que je crois avoir hérité de ma grand-mère. Grande recette pour petit dîner à deux. Mmh. Oui. À cette époque, nos grands-parents savaient apprécier la bonne chair. Mmh. On continue aujourd'hui. Certains. Ma grand-mère était une femme formidable. Elle avait été mariée 3 fois. Oh. Pourquoi elle empoisonnait ses maris? Non, je suppose que les soirées à deux étaient devenues un peu trop lassantes pour ces messieurs. Faisons en sorte que ces petits tête-à-tête ne le deviennent pas trop vite pour nous. N'aie aucune inquiétude. Allô? Si tu veux, mais d'abord trinquons au dessert. Je peux savoir ce que c'est? Non, je n'ai pas envie de te le dire tout de suite, tu verras, c'est une surprise. Déranger, mon nom est Irma Westermin. Ça ne peut pas attendre demain? Non, c'est impossible, c'est urgent. Mon mari veut se suicider. Bon, entrez. Je vous remercie. Vous avez défendu mon mari à une époque, Alfred Westermin. Vous devez vous en souvenir? Non, je suis désolée. Ça remonte à environ 5 ans. C'était une affaire de vol de voiture. Mon mari a une casse de voiture. Oh, je suis vraiment confuse de vous déranger à cette heure. Mais il faut absolument que vous m'aidiez. Mon mari a l'intention de s'arroser d'essence et de s'immoler. S'immoler? Oui. Ce matin, il a vu sa photo dans le journal. C'est un avis de recherche. On ne donne pas encore son nom, mais apparemment, il est impliqué dans une affaire criminelle et il va devoir payer pour les autres. Je crois que le mieux serait qu'il se rende. Venez, on va appeler la police. Oh, mais non, il ne faut pas faire ça. Si jamais il voit arriver la police, il va se suicider. D'autant qu'on l'accuse aussi d'avoir tué un policier. Ça ne va pas arranger les choses. S'il vous plaît. Maître, il faut absolument que vous m'aidiez, que vous veniez avec moi. Il faudrait que vous essayiez de venir lui parler. Il vous écoutera, vous. Il faut que vous m'aidiez. Je vous en prie. Entendu. C'est d'accord, je viens. Merci. Je suis désolé, Hilde. Excuse-moi, je ne serai pas long. Ouba, tu ne bouges pas d'ici. C'est Hilde qui s'occupera de toi. Oui, ou l'inverse. Là. Alfred! Alfred! Stop! Arrêtez-vous! Alfred, c'est moi! Stop, j'ai dit! Pas de plus! C'est qui ce type? C'est Maître Franck, il est là pour nous donner un coup de main! Ne vous approchez pas! Si vous continuez, je me fiche le feu! Alfred. Arrêtez, monsieur Westermin, ne faites pas de bêtises et sortez de là! Votre cas n'est pas aussi désespéré que vous pouvez le penser! Il faut en parler calmement, je suis avocat et je peux arranger tout ça! Tirez-vous! J'aime pas les avocats! Alfred, monsieur Westermin, je vous conseille de vous livrer à la police! Je vous jure que ça améliorera votre situation! Irma, je t'avais prévenu! Je t'avais dit que si tu allais chercher la police, je me suiciderais! Eh bien, je te jure, je vais le faire! Mais je ne suis pas allé chercher la police! Oui, mais ton avocat, il a l'intention de m'y envoyer! Je n'ai pas dans le but de vous faire arrêter, mon intention est de vous aider! J'ai plus besoin qu'on m'aide, moi! Ni vous, ni personne! Monsieur Westermin! Alfred! Non, ne fais pas ça! Arrête! Thank you.
faut pas rester là. Allons, allons-nous-en. Il n'y a plus rien à faire. Venez. Je vais appeler les pompiers. Vous pouvez venir d'urgence. Hochstetterstrasse, une casse auto, Verstürmühl. C'est un incendie. Un homme s'est immolé. Pardon ? Je m'appelle Frank, maître Rainer. Frank, je suis avocat, ce n'est pas une plaisanterie. Venez vite ! Très bien, merci. Ils arrivent tout de suite. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez. C'est gentil, je vous remercie. Vous voulez que je vous accompagne? Non, ça va aller, merci. J'ai besoin d'être seule maintenant. Au revoir. Et encore merci pour tout. Bonsoir, madame Verstürmühl. Non, arrête, ne tire pas, c'est maître Frank. Ce n'est pas la peine de nous présenter, madame. Votre mari et moi, on se connaît depuis longtemps. Alors vous avez simulé un suicide et moi je serai le témoin, c'est ça? Non, non, arrête, ne tire pas. Pourquoi pas? Qu'il y ait un mort ou deux, quelle importance? Il n'acceptera pas d'être notre complice. Attendez. Comment ça, un mort ou deux? Je peux savoir qui était le deuxième? Oui, le deuxième, c'est celui qui a brûlé dans la baraque. Un suicide sans cadavre, c'était pas crédible. Vous êtes complètement fou, ça ne marchera jamais. Ils vont examiner le cadavre, ils vont s'apercevoir qu'il n'a rien à voir avec vous. Avez-vous déjà vu un homme qui a brûlé? Savez-vous ce qu'on retrouve dans les décombres? D'autant qu'Irma ira identifier le corps de son mari. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Chirurgie esthétique, peut-être? Vous finirez par vous faire repérer. Ça, mon bonhomme, ça me regarde. Et le cadavre? C'était qui, le cadavre? J'aimerais bien savoir comment vous avez fait... Je viens de te dire que ça me regarde. Non, Alfred, arrête. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mais j'en sais rien, on n'a qu'à l'enfermer quelque part, dans la cave, où tu veux. Mais c'est trop risqué. Alors trouve une idée. Arrêtez, ne vous énervez pas, je suis sûr qu'on va trouver une solution. Elle n'a pas tort, vous pouvez très bien m'enfermer à la cave. Ça vous laissera le temps de vous enfuir, et moi je ne pourrai alerter personne. Oui, c'est bien, on va le descendre à la cave, s'il te plaît. Avançons. Thank you.
tranquille pendant quelques jours, il ne vous arrivera rien. D'accord, je vous le promets. Oh, j'ai pas confiance en lui. Oh, laisse-le. La chaîne. Trois jours là-dedans, je n'arriverai pas à tenir. L'homme supporte bien plus qu'il ne croit. Serre pas si fort, Alfred, ça suffit. Le cadenas. De l'adhésif. Adhésif. Laissez-moi au moins quelque chose à boire, et de la nourriture. Un petit régime, ça vous fera pas de mal dans votre état. Ça suffit. Prête. Je vais te faire un petit trou, comme ça tu pourras boire. Je vous apporte quelque chose. Allongez-vous. Allez à terre! Et sur le ventre. Et n'essayez pas de vous détacher, compris? Il fait mal. Et vous n'avez pas intérêt à crier. Allez, viens. De votre voiture. Nous allons la mettre dans le garage. Levez la tête. Je vais vous enlever ça. Si vous restez tranquille, il ne vous arrivera rien. Qu'est-ce que vous venez faire ici de si bonne heure, Hilda? Bonjour, monsieur Matula. Rinder a disparu depuis hier. Comment ça? Eh bien, nous avions commencé à dîner. Où? Nous étions chez lui. Ah! Et c'est lui qui avait fait la cuisine. Une recette de son fameux vieux livre. Ne dites pas de bêtises, le dîner était excellent. Vous le connaissez, ce livre? Non, mais je connais Rinder. Et ses dîners en tête-à-tête. Bon, alors, nous étions en train de dîner tous les deux quand une femme est arrivée qui avait l'air totalement paniquée. Elle disait que son mari voulait se suicider par le feu. Après quelques instants, Rinder est parti avec elle pour tenter quelque chose. C'est très surprenant. Comment s'appelait cette femme? Westermühl. Et il devait aller dans une casse auto, je crois. Bon, il faut que je me sauve. Je devrais déjà être au bureau. Je vous laisse son chien. Je peux pas l'emmener. D'accord, je m'occupe du chien et je vais aussi m'occuper de ce vieux Rinder. Allez, bonne journée. Oh, si vous avez des nouvelles, appelez-moi, vous serez gentil. Je n'y manquerai pas, Hilda. Au revoir et merci encore. Au revoir. Alors, où va? On va essayer de retrouver ton maître, hein? La casse est fermée, madame.
Non, il faut partir, s'il vous plaît. J'aurais seulement voulu voir... Oui, je sais, mais vous allez devoir attendre que la police ait fini ses recherches pour voir ce que vous vouliez. Après vous. Est-ce que quelqu'un a brûlé là-dedans? Oui. Reste là, sage. Attends-moi. On dirait que c'est fermé? Oui. Ils ne laissent entrer personne à l'intérieur. La baraque a complètement brûlé. Il paraîtrait que le propriétaire se serait arrosé de pétrole et qu'il se serait fichu le feu. Ouais, c'est ce que j'ai lu dans le journal. Et Karl Heinz, c'est mon fils. Il a travaillé ici la nuit dernière et je ne l'ai pas entendu rentrer à la maison. Est-ce que vous avez pensé à prévenir la police? Oh, la police. Je ne veux rien avoir à faire avec eux, moi. Si vous saviez combien de fois ils ont fichu Karl Heinz en tôle simplement parce qu'un jour, il avait volé une malheureuse voiture. Oh, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé. D'habitude, il m'appelle toujours quand il ne rentre pas. Si vous voulez, je peux vous aider. Je suis détective privé. Mon nom, c'est Joseph Matula. Nicole. Agnès Nicole. On va aller jeter un œil. Et on n'a pas le droit d'entrer. Oh, vous n'avez qu'à venir avec moi. Je cherche quelque chose aussi. On peut passer les enfants? On peut pas entrer avec vous? Ah non, c'est interdit. Aux chiens et aux enfants. Oh! Eh oui. La casse est interdite. Combien de fois faut-il vous le dire? Vous devez être de la police. Je viens chercher des papiers de voiture. Ma mère a voulu vendre sa voiture ici hier. Le propriétaire lui a dit de laisser les papiers et qu'il viendrait chez elle plus tard, chercher la voiture. Et il devait lui donner son argent quand il viendrait. Je vois. Seulement, il y a eu le feu hier et apparemment, le propriétaire est mort. Oui, mais qu'est-ce que deviennent les papiers? Eh bien, s'il les avait conservés dans sa baraque, et... Et est-ce que tout a brûlé? On ne peut plus rien trouver? Presque plus rien. Monsieur Kaiser, regardez ce que je viens de trouver. S'il vous plaît. Ça se trouvait où? Là, près du mur. Ça sert à rien d'insister pour l'instant. On reviendra plus tard. Attendez, là-bas, il y a l'atelier. C'est là que Karl Heinz a son placard. Là, son placard. Ouais, je vois, c'est marqué dessus. Oh, c'est drôle, il y a tous ses vêtements, ceux qu'il portait hier, justement. Et peut-être qu'il est parti avec son bleu de travail. Ça m'étonnerait, si vous le connaissiez, il est bien trop coquet. Il a dû lui arriver quelque chose. Monsieur Kaiser, oui? Le type qui était là avec la femme, je suis sûr que c'est Matula, le détective privé. Il est entré dans l'atelier. Ah, il va me trouver, lui. C'est son briquet. Ses lunettes de soleil. Malheureusement, il n'y a pas ses papiers. Mmh.
Monsieur Matula, sachez que j'ai horreur qu'on se moque de moi. Je peux savoir ce que vous faites ici? Je cherche. Un vieux dicton dit « cherche et tu trouveras ». Alors on cherche les papiers de la voiture. Vous allez arrêter vos recherches tout de suite. Vous êtes dans un périmètre isolé par la police. Tout y est mis sous scellé. À qui sont ces vêtements, d'ailleurs? On n'en sait rien. Nous, ce qu'on cherche, ce sont des papiers de voiture. Je vous ai dit que tous les papiers ont dû brûler. Il faut vous faire une raison. Vous n'avez qu'à vous les faire refaire à la préfecture. Et maintenant, je vous prie de quitter les lieux. Nous vous laissons faire votre travail. On y va? Monsieur Matula, cette femme n'est pas votre mère. Et qu'est-ce que vous en savez? Salut. Salut. Franck a disparu. Cher monsieur, que pouvons-nous faire pour vous? La seule chose que je puisse vous proposer, c'est de diffuser un avis de recherche. C'est gentil, je vous remercie, mais je préfère chercher moi-même. J'irai plus vite. Le cadavre. Est-ce que vous êtes certain qu'il s'agit bien de Westermühl, le ferrailleur? Oui, sa femme est venue l'identifier ce matin. Elle a identifié ce tas de cendres. Oui, elle a affirmé qu'elle le reconnaissait à ses dents. Elle l'a reconnu à ses dents. Eh oui, monsieur Matula, c'est comme ça. Si une femme est mariée à un homme depuis 10 ans, elle doit connaître sa dentition. C'est une chose que vous n'imaginez pas. Eh non. Et le trafic de voitures? Elle était au courant aussi? Elle affirme que non. Nos collègues de la répression des fraudes vont essayer de faire parler leurs complices. Oui, il se trouve qu'ils ont été arrêtés en Suisse. Ah. Est-ce que je peux téléphoner? Exceptionnellement. Oh, merci. Umba, est-ce que tu veux me rendre cette chaussure? Ah, évidemment. C'est toujours comme ça. Oui, j'arrive, j'arrive. Oh, c'est pas vrai. Secrétariat de maître Franck? Oui, c'est moi, Matula. Est-ce que vous avez des nouvelles de Franck? Non, absolument rien. Ça devient inquiétant, ça. Et Umba met l'appartement à sac. Qu'est-ce que je dois faire avec cet animal? Eh bien, sortez-la, donnez-lui à manger, tout ce qu'on fait avec un chien. Vraiment, c'est facile à dire, mais j'ai pas le droit de sortir. Bon, alors quand j'arriverai, c'est moi qui l'emmènerai promener. En attendant, j'annule les rendez-vous de maître Franck. Vous ne savez pas où il pourrait être? Aucune idée. Mais je continue à chercher. Je vous rappelle. Allez, au revoir. Je vous remercie, messieurs. À un de ces jours. Monsieur Matula. Ouais? Une chose que nous pouvons vous dire avec certitude, le cadavre carbonisé n'a rien à voir avec maître Franck. Vous me rassurez. À mon avis, il se fait des cheveux pour son patron.
pas de la voiture, hein? Tu m'attends. Allez. Madame Westermühl. Madame Westermühl. J'ai bien l'impression qu'il n'y a personne. Allez, on s'en va. Entreprise de pompes funèbres Lossmann. Un enterrement. Caveau de famille Westermühl. Oui. Section 58, tombe numéro 24. Après-demain. À 14h. Pardon. Serait-ce possible demain matin? Allô? Est-ce que ce serait possible demain? Oui, trop tôt. S'il vous plaît. C'est que ça paraît plutôt urgent. Oui, vous avez raison. C'est vrai que les morts ont tout leur temps, mais ce n'est pas le cas des vivants. Vous pourriez entre deux cérémonies? C'est parfait. Alors, demain, 10h30. Merci. Au revoir. Bon, vous m'avez dit un cercueil pas trop cher. Oui. Très peu de décoration. Transport, mise en bière, dépose du catafalque, de la musique. Non, rien. Trois certificats de décès, ça suffira? Oui. On fait des cartons? Je vous demande pardon. Des cartes de remerciement que vous envoyez aux gens qui vous auront présenté leurs condoléances à l'enterrement. Non, non, de toute façon, c'est trop tard maintenant. Bien, comme vous voulez. Alors, oui, on a fait le tour. Bien. Une petite signature, s'il vous plaît. Merci.
Bonjour, je vous prie de m'excuser. Est-ce que Madame Westermuhl est ici? Voici Madame Westermuhl. Bonjour, madame. Bonjour. Mathula. Ah, c'est vous qui avez téléphoné il y a un instant. Oui. Mes sincères condoléances. Je vous remercie, mais... Voilà, je suis un ami de Maître Franck. Et je sais que vous êtes venu le voir hier soir. C'est vrai? Et qu'il vous a raccompagné chez vous. Oui. Vous ne sauriez pas par hasard où il est allé en vous quittant? Pourquoi est-ce que je le saurais, monsieur? Et qu'est-ce que vous attendez de moi? Il se trouve qu'il n'est pas réapparu, ni à son bureau, ni à son domicile. Qui puis-je? Ce qui est bizarre, c'est que votre employé, Karl-Heinz Nickel, a disparu lui aussi. Mais comment savez-vous qu'il a disparu? Sa mère le recherche. Il doit être en train de faire la tournée des bars. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Hier après-midi. Ses vêtements sont encore accrochés dans son placard. Il avait prévu d'aller voir un client. Et moi, avec ce qui vient de m'arriver, je ne sais plus vraiment ce que je fais. Mon mari vient de mourir. L'enterrement est prévu pour demain. J'ai encore beaucoup de choses à régler. Alors laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Bien. Voici votre reçu. S'il y avait autre chose, je vous téléphonerai. Je vous remercie. Je suis navrée, je ne peux vraiment pas vous aider, monsieur. Au revoir, madame. Au revoir. Dommage. Au revoir, madame. Arrête de boire. Je vais lui apporter quelque chose. C'est plus la peine. Je m'en suis déjà occupé. Ah, tu lui as déjà apporté à boire? Encore un jour. Et tout sera terminé. Hein? Et c'est pas trop tôt. Seulement, il faut l'éliminer. Pourquoi? On ne peut pas le laisser dans la maison. Quand on sera parti. Mais c'est pourtant ce qui était prévu au départ. Non, ce serait pas prudent. Tu veux dire? Tu es complètement malade.
Il n'est pas question que je t'aide. Tu te débrouilleras tout seul pour l'emmener. Mais si j'ai fait ça, je l'ai fait pour nous. Tu l'as assassiné, t'es un criminel. Oh, la ferme! Tu comprends rien! Enfin, il t'avait rien fait! Rien fait? Mais à cause de lui, on va avoir la police sur le dos, si ça c'est rien! Et puis, il fallait pas le laisser entrer! Mais je l'ai jamais laissé entrer! C'est toi qui m'as demandé d'aller le trouver! Mais pas de le laisser entrer chez toi! Il y était pour rien! Tu vas la fermer, je t'ai dit! Oui, merci. Je n'ai que quelques minutes, mais asseyez-vous, je vous en prie. Je vous avoue que je commence sérieusement à m'inquiéter. Je sais que s'il le pouvait, il m'aurait appelé depuis longtemps. C'est vrai que de ne pas rentrer chez lui, ce n'est pas dans ses habitudes. Surtout s'il sait qu'une très jolie femme y attend. Mmh. Peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose, mais il ne faut surtout pas penser au pire, ça ne sert à rien. J'aimerais bien savoir ce que Madame Westermuhl est allée faire à la banque. L'employé n'a rien voulu me dire. Il a fait allusion au secret bancaire. Je pourrais essayer de le savoir. J'ai pas mal de relations personnelles dans ce milieu. Dites-moi à quelle agence elle est allée. Allez, je vais essayer de t'apprendre les bonnes manières. Comme ça, quand ton maître va revenir, il sera content. Oh, excusez-moi, je suis un peu en retard. Non, c'était pas grave, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Umba? Je vous offre un verre. Ah oui, je veux bien un café. Alors, qu'est-ce que vous avez appris? Ça n'a pas été très facile. Ce qui est fou, c'est que j'ai d'abord cru que je n'y arriverais jamais, et puis, je suis enfin parvenue à savoir ce que je voulais. Si Madame Westermuhl est venue les voir, c'était dans l'intention de solder son compte. Et normalement, elle retire 300 000 marques demain. Du compte de son mari? Non, le compte est à son nom, apparemment. Bon, si ça se trouve, c'est sur le sien qu'il mettait l'argent qu'il gagnait au noir. Je n'y comprends toujours rien. Qu'est-ce que Rainer est venu faire dans cette histoire? C'est exactement la question que je me pose. Je commence à me faire du souci. Je me demande ce qui lui est arrivé. Ça commence à m'inquiéter aussi. Sincères condoléances. Je vous remercie. Thank you.
c'est pas vrai, Franck. Toi, tu peux te vanter de m'avoir fait peur. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Un robe de retourneur sur mon chat. Ah ouais. Ah, ça va faire mal, hein. Il y a encore quelqu'un dans la maison? Non, personne. Allez, enlève-moi la chaîne. Il y a une scie là, derrière. Dis donc, ils t'ont bien emballé. Une scie, une scie. Ah, j'en ai pour 3 jours avec ça. Dans une cave de ferrailleur, il doit bien y avoir autre chose. Ah, voilà. Allez, tourne-toi. Westermuhl est bien vivant. Qu'est-ce que tu racontes? C'est lui qui a voulu me tuer. Avec un rat? Non, mais il avait mis du poison dans le jus d'orange. Ah. Il a simulé un suicide et il en a fait brûler un autre. Un autre? Eh ben, je sais qui c'est. Et son enterrement doit avoir lieu en ce moment. Tu ne pouvais pas le dire tout de suite? Bon, j'appelle la police et je file au cimetière. Tu vas avec tes chaînes? Ah, oh, je croyais que t'avais tout enlevé. Merci. Ah, mais en fait, je ne sais même pas quel cimetière c'est. Ben, celui du nord, de l'ouest, du sud, de l'est, il n'y en a pas d'autre. Je te remercie, ça m'aide beaucoup. Je t'en prie. Au fait, elle est où, ta voiture? Dans leur garage. Évidemment, elle pouvait pas être ailleurs. Comment va Mumba? Aujourd'hui ce corps à la terre. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est ressuscité des morts, le jour du jugement dernier, éveillera notre frère à la vie. Arrêtez! Ne faites plus rien! Il faut interrompre cet enterrement. Le mort n'est pas celui qu'on croit. Venez, Madame Westermuhl. Madame Westermuhl, votre fuite est inutile. Ressortez ce cercueil et attendez l'arrivée de la police. Que vous nous sous-estimiez, Maître Franck. Mais j'avais la certitude que le cadavre était Alfred Westermuhl. Sa femme était venue elle-même l'identifier. Elle vous a menti. Oh, ça m'étonnerait. Notre légiste avait comparé les dents du cadavre avec le dossier de son dentiste. Il ne fait aucun doute que le mort est Alfred Westermuhl. Et moi, je vous dis que je l'ai vu bien vivant. Nous avons même identifié une fracture qu'il avait à la jambe. Je ne comprends plus rien. Je ne sais pas qui vous avez pu voir, mais ce n'était pas lui. Vous avez dû vous tromper. Ça devait être quelqu'un d'autre. Oui. Oui, j'avoue que je commence à le croire, moi aussi. Et surtout, je commence à comprendre pourquoi il se tenait toujours en retraite. Oh, mais est-ce que j'ai pu être bête, moi? Il y avait sa voix. Sa voix m'a troublé, elle était différente. Oui, ça, je l'avais remarqué. Mais il ne m'est pas du tout venu à l'idée qu'il pouvait s'agir de quelqu'un d'autre. Bonjour, monsieur Mathula. Bonjour, madame Nicole. Entrez, je vous en prie. De quoi s'agit-il? À votre fils. Je viens vous annoncer une mauvaise nouvelle. Écoutez, madame. Vous risquez de ne plus voir votre fils rentrer à la maison. Nous pensons qu'il a brûlé dans la cabane. Je me demande ce qui vous fait penser une telle chose. Et vous dites que vous êtes détective privé. Non, mon fils n'est pas mort dans la cabane, il est ici.
Mais en fait, il s'était absenté pour affaires, mais il est revenu tout à l'heure. Attendez. Karl-Heinz ! Karl-Heinz ! Qu'est-ce que tu veux ? Oh, voici Monsieur Matula. Il est détective privé, mais il croit que tu es mort. Oui, je vous en prie, d'accord. Bonjour. Je pourrais savoir où vous étiez ? Oh, mais on dirait que c'est un alibi que vous me demandez. Ah, oh, pas du tout. Seulement, votre mère s'est fait du mauvais sang. Je lui ai expliqué ce que j'avais fait. Eh bien, vous pourriez recommencer. Je me suis fait du souci, moi aussi. Tiens donc, vous aussi. Où étiez-vous au moment où la cabane a brûlé ? Je devais récupérer une voiture. J'avais l'après-midi pour le faire. Et puis la caisse est tombée en panne. Je l'ai réparée, mais ça m'a fait perdre du temps. Je suis rentré tard à la casse. En arrivant, j'ai vu que tout brûlait. Il y avait déjà pas mal de monde. Des pompiers et surtout des flics. Et avec le passé chargé que j'ai préféré me tirer. Ah oui, c'est vrai, vous n'êtes pas net. Trafic de voitures et autres. Moi, j'ai vu ça dans le journal. Écoutez, monsieur... Matula. Vous ne m'aurez pas comme ça. J'ai jamais trafiqué les voitures. J'ai jamais été au courant de rien, moi. Les grosses affaires, je m'en suis jamais occupé. C'est un truc que j'ai aussi appris par le journal un soir où j'étais chez ma copine. Ah, parce que vous avez une copine. Et votre mère n'en savait rien, elle. Oh, il connaît énormément de femmes. Seulement, il n'a jamais eu vraiment de copine attitrée. Ne te mêle pas de ça, maman. Pour elle, une femme n'est intéressante que si elle veut se marier. Celle-ci ne veut pas se marier. Mais elle est intéressante. Et je suis tellement bien avec elle que j'en avais oublié de téléphoner. Oui, mais il m'a promis que ça n'arriverait plus jamais. Pour vous dire la vérité, je préférerais attendre un peu que les choses se calment. Eh bien, maintenant, elles le sont. C'est vrai. Et on ne peut rien me mettre sur le dos, puisque j'ai un alibi. Votre copine ? L'intéressante ? Tout juste. Vous voyez que vous comprenez vite, monsieur... Matula. Ils ont commencé à rechercher Madame Westermuhl aujourd'hui. C'est tout ce qu'ils peuvent faire pour l'instant. Tu veux dire qu'ils sont persuadés que c'est bien Westermuhl qui a brûlé ? Ben ça alors. Moi, ce que je pensais, c'est que c'était Westermuhl qui vivait et qu'en réalité, Nicole avait brûlé à sa place. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Ouais, mais c'est plus ça. On a donc Westermuhl brûlé et Nicole toujours vivant. Oui, apparemment, c'est ça. Et qu'est-ce que tu as ? Quel idiot! Viens, vite! Il faut qu'on y aille. Je t'expliquerai tout en route. Allez, dépêche! Bonjour, madame. Madame Nicole, nous aimerions encore une fois parler à votre fils. Oh, il vient juste de partir. Et où est-il allé ? Au Brésil, messieurs. Il est parti au Brésil, comme ça, sur un coup de tête ? Oui, moi aussi, ça m'a étonné. Une dame est arrivée, il s'est mis à parler avec elle, et puis il est venu me dire « Au revoir, maman, je pars en vacances au Brésil. » Mais ne t'inquiète surtout pas, il ne s'agit pas d'une magouille. Elle a fait un héritage, seulement il ne faut pas en parler. Cette femme qui est venue, elle n'était pas habillée en noir ? Si, en noir et très élégante, croyez-moi. Ce serait bien s'il l'épousait. Dépêchons-nous. Allez, repas. Il a rien fait. Je suis content d'arriver enfin à vous avoir, monsieur Krapp. Nous sommes sur le chemin de l'aéroport. Faites vérifier toutes les réservations, s'il vous plaît, et plus particulièrement celles pour le Brésil. Oui, absolument toutes, j'y tiens. Il faut arrêter Karl-Heinz Nickel et Irma Westermuhl. C'est ça, Westermuhl. Je vous remercie. Bon, j'espère qu'on va arriver à temps. Ouais, si tu traînes pas en route. Allez, appuie. Et qu'est-ce que tu crois que je fais, là ?
Monsieur Nicole! La police va vous arrêter aussi, Madame Westermuhl. Venez, on va y aller en minibus. J'aimerais pouvoir parler encore un peu avec vous. La police aimerait lui parler. Moi, j'ai la valise avec tout l'argent. Laisse-moi encore un moment. Je tenais à vous remercier d'avoir évité de me faire tuer par Nicole le soir où je suis arrivé. Oh, mais ce n'est rien du tout. Je voulais éviter un autre crime. Vous aviez une liaison avec Monsieur Nicole. Oui. Quand mon mari s'en est aperçu, il a failli me tuer tellement il était jaloux. Et il s'est servi du passé de Karl Heinz pour le faire chanter. Et quand vous avez lu cette histoire dans le journal, vous avez voulu profiter de la situation. Mm-hmm. Mon mari était devenu fou. Alors Karl Heinz a eu une idée. Il a endormi Alfred. Et il l'a caché dans la cabane. Et moi, je suis venue vous chercher. Vous connaissez la suite. Venez, madame, il faut y aller maintenant.